Alléluia, Alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence. Nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité. Nous garderons pour ce que tu fais. Tu ne reçois pas l'état. L'état, on reprend zéro. Nous avons fait un rêve. Mais il y a ici personne pour faire quoi? Dis à ton voisin, on t'a la table, mais on veut battre. C'est pour ça que nous t'avons pas mis chaque pas. Il y a des gens qui regardent ces maladies, mais qui ne l'est pas. Ils font semblant comme si ils disent, mais finalement, je comprends que ces gens ne lisent pas les Bibles. Parce qu'on aurait pas zéro. Il lui répondit. Nous avons, il y a plusieurs personnes, ce n'est pas une personne. Nous avons fait un rêve, mais il n'y a personne pour faire quoi? Continuez. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Leur dit Joseph. Alors le chef des échassons commençait son rêve. Il lui raconta ce qu'il avait rêvé. Dans mon rêve, dit-il, j'avais devant moi un cèpe de vigne. Portant trois serments. Il se mit à bourgeonner, à pleurer, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du pharaon, puis les raisins. J'empressai de jus dans la coupe du pharaon. Joseph lui dit, voici ce que signifie ce rêve. Les trois serments représentent trois jours. Oh, regarde l'interprétation. Dans trois jours, le pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Dans trois jours, pharaon fera quoi? Dans trois jours, pharaon fera quoi? Ta tête, elle fera quoi? Te rétablira. Continuez. Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant. En qualité de chasson. Ok. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tu iras de nouveau bien. S'il te plaît, moi, je fais mon devoir. Tu n'avais personne pour interpréter ton rêve. Moi, j'ai interprété ton rêve. Mais s'il te plaît, pense à moi. Pense à moi quand tu vas sortir. Continue. Et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. Regarde des éléments que Joseph dit. En effet, je n'ai rien fait au pays quoi? Des Hébreux. Et ici encore, je me suis retrouvé dans la prison, mais je n'ai rien fait. C'est-à-dire, là où j'étais, c'est nous. Et encore, on m'a tabassé et je suis devenu un marchandise. Et ici encore, je deviens prisonnier pendant que j'ai rien fait. Continuez. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit, moi aussi j'ai fait un rêve. Moi aussi, l'autre aussi vient. Moi aussi je fais un rêve. C'est-à-dire, ils étaient à deux et les deux ont rêvé. Je veux dire à quelqu'un, on peut être ensemble, mais nous n'aurons pas de même rêve. Et regarde le rêve de l'autre. L'autre dit quoi? J'ai porté trois corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon. Au pharaon. Mais les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Joseph lui dit, voici ce que signifie ce rêve. Les trois corbeilles représentent trois jours. Trois jours. Dans trois jours, le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront te répéter de ta chair. T'es pas
attendra. Donc, c'est-à-dire, toi, tu as rêvé. L'autre va sortir dans 3 jours. Toi aussi, tu sortiras dans 3 jours. Mais la sortie, c'est le même jour. Mais la situation que vous allez vivre ne sera pas pareille. C'est-à-dire, pour l'autre, il va servir dans la maison, mais pour toi, tu seras pendu au bois. Et le pharaon va ordonner les oiseaux faire quoi? Manger ta chair. Et continuez. Effectivement, 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons, il présenta de nouveau sa coupe, et il fit prendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent donc conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée. Les choses se passaient conformément à l'interprétation de quoi? De Joseph. Continuez. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Pendant que Joseph avait dit quoi? S'il te plaît, pense à moi quand tu vas sortir et parle à ma faveur au roi pour que je sorte de cette prison. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On l'acclame pour la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Je crois que Dieu veut communiquer une pensée cet après-midi sur quelqu'un. La Bible nous parle de Joseph. Nous connaissons bien cette histoire. Joseph, il était un garçon aimé par son père. Et son père lui avait fait tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères sont devenus jaloux de Joseph. Joseph a rêvé. Il était élevé. Son père a interprété les songes de Joseph. Et à partir de cela, le frère de Joseph a eu de la haine contre Joseph. Et ils ont tabassé Joseph. Et ils l'ont vendu Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et là où s'est retrouvé un homme qui a la grâce de Dieu, il n'est pas pareil que tout le monde. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, mais ces gens, ils ont en eux une promesse. Et malgré la souffrance d'aujourd'hui, Dieu veille sur sa prophétie. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar comme un homme de ménage. Mais un homme de ménage qui a amené la bénédiction dans cette maison. Et lui-même Potiphar va dire, depuis qu'on a réussi, c'est étranger dans notre maison et la maison prospère. Donc la présence de Joseph a amené la prospérité dans cette maison. Suivez-moi très bien. La femme de Potiphar tombait amoureuse de Joseph. Et cette femme voulait coucher avec Joseph. Joseph, connaissant la prophétie qui était destinée pour son élévation, il protégea sa prophétie en refusant des propositions de cette femme. Et cette femme, elle insistait tellement, Joseph refusait, la femme, elle va aller raconter, lui montre que Joseph voulait me violer. Regarde, j'ai sa chemise dans ma main. Et Potiphar, au lieu de mettre Joseph dans une prison normale, il a choisi de mettre Joseph dans la prison des rois. C'est-à-dire, même lui-même Potiphar, il était incapable pour sortir Joseph. Et c'était facile pour le mettre dans la prison, mais difficile pour le sortir. Or, pour sortir dans cette prison, il faut que le roi lui-même donne la décision pour que tu sors. Et Joseph s'est retrouvé innocent dans une prison. Et Joseph a passé beaucoup de temps dans cette prison. Et là où nous venons de lire, je ne vais pas développer toute sa vie, mais je voulais un peu parler seulement de là où nous avons lu. Et la Bible dit, dans la prison, Joseph s'est retrouvé. Il y avait deux personnes, il y avait d'autres personnes plutôt, et qui étaient aussi dans cette prison. Mais chose bizarre, la Bible dit, deux messieurs, ils ont eu des songes. Je voulais dire à un enfant de Dieu, dans ta vie, tu dois avoir un rêve. Celui qui ne rêve pas. On dit chaque fois, les rêveurs de présent, ce sont des riches de demain.
C'est-à-dire ce sont des rêves qui arrivent dans son accomplissement. Tu ne peux pas marcher sans un rêve. C'est-à-dire Joseph avait un rêve. Et arrivé dans cette prison, il a rencontré encore deux personnes qui avaient un rêve. Ils ont dit, nous avons un rêve. Mais ici, il n'y a personne pour nous expliquer. Joseph dit, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Joseph avait compris, le rêve ce n'est pas moi qui donne. Vous savez, souvent on croit beaucoup à la médecine, oubliant que c'est Dieu qui nous donne tout. Une femme qui tombe enceinte, il va courir directement voir l'échographie. Moi, dans ma vie, j'ai vu plusieurs fois l'échographie échouer. L'échographie a déterminé un garçon, mais le jour de la naissance, une fille. C'est-à-dire, l'échographie aussi peut être tournée. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans ma vie, le médecin échoue avec médicaments. Il te donne Novalgine, Novalgine ne marche pas, il va changer chloroquine. Pourquoi? C'est une science de tâtonnement. Ils sont en train d'essayer, si ça ne marche pas, on va changer. Mais notre Dieu que nous servons, il ne tâtonne jamais. Si il te dit tu es guéri, tu es guéri. Si il te dit tu es sauvé, tu es sauvé. Les jours où il avait dit à ces gens qui sont venus avec leur maladie de lépreux, Jésus a dit, vous êtes purifiés. Directement, ils sont devenus pires. Dieu ne t'attend pas. Ils ont dit, nous avons un rêve, mais nous avons personne pour nous expliquer. Joseph connaissant que la personne qui donne les rêves, c'est cette personne-là qui a la possibilité d'interpréter ça. Voilà pourquoi la Bible dit, si aujourd'hui le Seigneur te bénit, ne dis pas par ma force que j'ai reçu cet argent. Parce qu'il y a des gens qui ont plus fort que toi, qui n'ont pas eu cet argent. Mais tu dois dire toujours, par la grâce de Dieu, que j'ai obtenu ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se vantent par rapport à leur savoir. Écoutez, vous savez, moi je fais la science économie. Grâce à mes études, je suis. Mais il y a des vauriens qui n'ont pas allé à l'école. Ils sont riches. Ils ont engagé même des gens qui ont étudié pour dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui est le maître de tout. Il connaît notre destinée et il connaît notre avenir. Ces gens, ils ont rêvé. Mais il n'y avait personne. Joseph dit, c'est Dieu qui donne l'explication. Dis-moi un peu, c'est quoi le rêve que vous avez fait? Ils ont commencé à dire. L'autre a commencé, j'ai rêvé la nuit. Et il a expliqué son rêve. Joseph dit, écoute, le rêve est dire, dans 3 jours, tu vas sortir. Et là où tu vas sortir, tu vas reprendre tes fonctions. Et tu seras dans la maison du roi. Et tu vas commencer à servir dans la maison. Et directement, Joseph dira à ces messieurs, souviens-toi de moi. Et parle à ma faveur au roi, s'il te plaît. Et l'autre, quand il a vu l'interprétation, il a compris que Joseph avait la sagesse de Dieu. Lui aussi, il vient avec son rêve. Il dit, regarde ce que j'ai rêvé. Joseph dit, oui, toi aussi, tu vas sortir dans 3 jours. Mais tu sortiras pour que tu sois mort. Donc on va te pendre et les oiseaux viendront pour manger ta chair. Regardez-moi, ils ont fait des rêves. Et le rêve, c'était le rêve de la sortie. C'est-à-dire, les deux personnes allaient sortir. Mais l'autre sortit pour mourir et l'autre sortit pour servir le roi. Je voulais dire à quelqu'un, on peut avoir le même nom. On peut t'appeler pasteur, moi aussi pasteur. Mais cela ne veut pas dire que nous avons la même destinée. On peut avoir la même destinée, mais nous n'allons pas prendre la même direction. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui taille la destinée de quelqu'un. Et ce monsieur, il avait un rêve, mais le problème de son rêve, il sortait pour mourir. Je voulais dire à quelqu'un, Joseph qui interprétait le rêve, il y a une vérité qui se cache. C'est Joseph-là, lui-même, quand il était chez son père, il avait rêvé, mais il n'interprétait pas. Il était incapable d'interpréter ses rêves. C'était son père qui interprétait ses rêves. Mais après quelques temps, il s'est retrouvé dans un autre pays. Il est devenu l'interprète des rêves. Je veux dire à quelqu'un, tu as beaucoup de facultés à toi. Mais cela ne veut pas dire que tu vivras ça en un seul jour. Non, tu dois laisser le temps au temps. Cela ne veut pas dire que tu n'arriveras pas
tu ne changeras pas. Non, les combats de 3 ans, Jésus a préparé ça pendant 30 ans. Les grandes choses, ça se prépare. On ne devient jamais grand en un seul jour. Un enfant ne veut pas dire qu'il ne sera pas papa. Non, il a tout ce qu'un père a dans son corps. Mais le problème, il doit avoir le temps. Joseph, il était un enfant. Voilà pourquoi son père lui a interprété. Mais cela ne voulait pas dire que Joseph, il était incapable d'interpréter des rêves. Joseph, il a interprété les rêves dans la prison. Ce n'était pas son rêve. Son propre rêve, il n'avait pas interprété ça. Mais il était capable d'interpréter les rêves des autres. Je voulais dire à quelqu'un, souvent, tu regardes beaucoup de gens dans les yeux physiques. Joseph, quoi qu'il était incapable d'interpréter ses rêves, mais il était capable pour les autres. J'ai vu des pasteurs qui n'ont pas des enfants, mais ils prient pour beaucoup de gens et ces gens accouchent. Et qu'est-ce que tu vas dire? Ces pasteurs n'ont pas onction. Non! Non, je ne peux pas aller qu'il prie pour moi parce que lui-même, il n'a pas des enfants. Ce n'est pas ça. Parce que je n'interprète pas mes rêves, je serai incapable pour toi. Non, le problème de mon rêve, c'est le problème de Dieu. Mais pour toi, je suis capable. Paul dit, les gens nous regardent comme des pauvres, mais nous enrichissons plaisir. Et ce qui nous bloque aujourd'hui, la Bible dit, l'homme regarde ce qui fera plaisir, mais Dieu sonde le cœur. Et aujourd'hui, on est limité. On semble la manine. Il y a beaucoup de choses au Canada. Non, je ne peux pas interpréter mon rêve, mais pour toi, je peux être capable d'interpréter ton rêve. Mais il y a beaucoup de balades, à la manière de ma balade. Pour moi-même, je ne peux pas interpréter mes rêves, mais pour toi, je peux interpréter ton rêve. Le problème, c'est quoi? Paul, il avait un problème lui aussi. Paul, il demanda à Dieu, Seigneur, guéris-moi de mon infirmité. Paul n'était pas guéri. Mais pendant que les autres enfants n'ont venu, Paul priait. Recevoir les miracles. Il était incapable pour lui-même, mais pour les autres, il était capable. Ce qui nous tue aujourd'hui, Abinabal, il était boiteux. Aujourd'hui, nous prions. Mais Dieu dans Abinabal, est-ce que tu connais Abinabal? Abinabal, il était boiteux. Il prêchait avec il avait le bâton dans ses mains. Mais je dis, malgré cela, il caressait le malade. Le boiteux marchait, mais lui-même restait boiteux. Mais je suis incapable d'interpréter mon rêve. Mais je n'ai pas interprété ton rêve. C'est quoi? Tu me regardes par rapport à ma situation. Tu ne crois pas que moi j'ai un Dieu. Élisée n'avait pas une femme. Mais il prend pour que les gens se marient. Ce n'est pas le problème de ce que je suis, mais le problème de croire que je peux faire quelque chose pour toi. Et ce qui nous limite aujourd'hui, on ne croit pas à la prochaine. On n'y a rien à rencontre. Mais il y a des signaux. Il y a mon coco simbaté. Mais pour la yoko salanini, il y a un simba. Je connais un vieux que nous respectons. Il est parmi les gens qui ont commencé des groupes de prière. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fait plus de 20 ans dans le mariage avec sa femme. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas des enfants. Mais dans son église, il prie pour les gens. Ça fait mal, hein? Les gens témoignent. Alléluia. Quand papa a prié, Dieu a exaucé. Aujourd'hui, j'ai un bébé. Mais lui-même, il n'a pas quoi? Des bébés. Ce sont des mystères de Dieu. Et Joseph, il était incapable d'interpréter son rêve, mais il est devenu capable pour les autres. Il y a des gens comme ça dans la vie. Et même, pour eux-mêmes, bah, je vous rassure à mon monté. Mais ce sont des soins. On comprend des soins dans le monde. On a mais il y a ma vie, nous pouvons. Non, ce n'est pas grave. Laisse-lui. Parce que lui, il peut faire quelque chose pour toi. Deuxième réalité. Les prisonniers, ils sont sortis. L'autre, il sort pour mourir. Et l'autre, pour devenir chef. Pour servir dans la maison du roi. Mais les deux, ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur aux gens qui sortent avant toi. Il y a des gens qui sont sortis avant nous, en Afrique. Ils sont venus en Europe, mais l'autre, il est sorti de l'Afrique pour qu'il devienne voleur. Abimaga Congo, pas comme à Mouibina Poto. Abimaga, pas comme à Ndumba. Abimaga, pas comme à Sko. Abimaga, pas comme à Zulu. Abimaga, pas comme à Ndumba. Mais à Saranine. Abima. Quand on demande, oui, ça fait 25 ans.
Et souvent, quand tu peux raconter, vous savez, aujourd'hui, ça peut totaliser 32 ans, non, 31, 33. Donc, je quittais le pays 33. Et demande maintenant, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Toi, c'est 33. Mais 33 pour devenir qui? L'autre s'est marié, il est sorti de la maison de ses parents avant toi. Il s'est marié. Mais il s'est marié pour devenir qui? Mais ton problème, tu as peur des gens. Hein, tu as peur des gens, tu compares ta vie aux autres. Il est sorti pour servir et Joseph est resté dans la prison. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est sorti est plus grand que celui qui est resté dans la prison. Non, il est sorti, mais il n'a pas pour ma destinée. Il est sorti pour lui, mais moi aussi je suis là. Écoutez, j'ai interprété Joseph, il a interprété le rêve de 3 jours. En son rêve a pris beaucoup des années, 13 ans, parce qu'il a un révélage de 17 ans. 13e année, il a interprété le rêve des autres. Donnez-moi la main bien. Il est interprété. Vous allez sortir dans 3 jours. Mais pour lui-même, le rêve a pris des années. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui achètent McDo et ceux qui mangent à George V, ils ne sont pas servis pareil. Les gens de McDo, c'est fait servir. Tu fais la queue, tu veux qu'un hamburger, et aussitôt demander, aussitôt on te sert. Mais celui qui va à George V, ça prend du temps. On va te présenter d'abord au menu. Et tu vas regarder, non, tu ne commences pas comme ça. Tu dois commencer par entrer. À McDo, il n'y a pas l'histoire d'entrée, seulement sortie. Tu sors en même temps, 5,90€, 6€. Mais là-bas, George V, on va commencer à présenter entrée. Nous avons entré ça là, toi tu veux quoi? Tu vas sortir, prendre d'abord entrée, et puis tu vas choisir le menu que tu veux. On va te dire que ça sera près de 30 minutes. Mais 30 minutes, pourquoi? Parce que c'est un restaurant, c'est George V. Ce n'est pas pareil, ça prend du temps. Après avoir mangé, tu demandes, ça coûte combien? 98€. Mais au McDo, ça coûte 5,50€. Ce n'est pas pareil. Si tu vas m'aller, tout est prêt. Il y a la semoule préparée. Il y a des haricots, tu vas même aller. J'ai besoin de la semoule. Il te dira directement combien de boules? Des boules. On te sert en même temps. Parce que tout est prêt. C'est malheureux. Tu vas te demander quoi? Ton mouchon? Oui, combien de ton mouquin? On va te donner directement. Mais au restaurant, non. Il n'y a pas de sérieux, non. Tu demandes, on va te donner des patientes. On va commencer à te préparer petit à petit. Pourquoi? Parce que les grandes choses prennent le temps. Les grandes choses méritent une préparation. Pour Joseph, c'était la grandeur. Ce n'était pas une chose. Mais c'est un jour, non. Je n'ai pas besoin de choses rapides. J'attends. Je sais, la vérité. Même si ça tarde, je vais attendre. Parce que celui qui prépare, c'est un vrai cuisinier. Il prend son temps. Il va mélanger les choses. Il va prendre beaucoup de choses. Mais je sais. Vous savez, celui qui a semé les cafés et celui qui a semé le tacou tacou. Les mains, ils ont semé. Mais ça n'est pas. Les mains, tacou tacou, ne prennent pas du temps. Donne-moi 3 mois. Les mains, tacou tacou, va sortir. Et c'est dans la maison de son marché. Mais celui qui a semé les cafés.
voisin. C'est nous, au quartier, je vous ai dit l'autre fois, il y avait une dame qui allait à Lagos à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité. On regardait la télé avec la batterie. C'est-à-dire, dans le quartier, elle était la seule femme qui avait la télé. C'est-à-dire, quand tu avais le match de Vita Imana, nous tous, on s'est retrouvés dans la maison de cette dame, avec la batterie, donc, charge batterie, nous tous assis. Mais la dame, elle était capricieuse. Hein. Si ce jour-là, elle n'a pas d'humeur, elle ferme sa porte, personne ne va entrer. C'est-à-dire, vous commencez à traîner un mot bête pour nous. Mais nous sommes là, maman la ville, nous encore la ville. C'est-à-dire, nous on était là. Mais cette femme, elle était sortie avant. Et en plus, c'était des télévisions noires et blancs. Et en plus, c'était des petites télévisions Vima la Sima. Et en plus, c'était des télévisions qu'on regarde avec la batterie. Et puis, on s'en est refait à Babylon. Quoi, Kala ! Non ! Abimé, le bosson, la bichon, la Babylon, il y a un ennemi. Il y a Kala ! Mais après quelques temps, les choses ont commencé à changer. Et les gens qui n'avaient pas de références, Dieu a commencé à donner petit à petit quoi ? Des références. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je ne suis pas pressé. Tu n'as pas bien dit. Dis à ton voisin, je ne suis pas pressé. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, tu achètes des rouges baisers, toutes les couleurs, parce que tu es devenu pressé. Tu vois comme si les choses tardent. Comme si ça ne vient pas. On t'avait déjà prophétisé. Mais j'ai rien aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et là, j'avance. Hein. À l'école, on dit, une femme, si elle a 30 ans, c'est risqué. C'est l'école. Est-ce que toi, tu es né à l'école? Tu as été créé chez ton professeur. Est-ce que c'est la science qui t'a créé? Non. C'est l'école qui dit. Mais il y a un Dieu qui dit encore. Même si ça tarde, attends. Oh, comme d'a changé la démarche. Comment démarche, oui. Hier, on s'est au lobby. Ils ont créé bâtirance. C'est-à-dire des fiers qui peuvent attirer. C'est bonnier. Aux âmes à l'amour. Moyen terre. Ya, ya. Naturel, soit naturel, ça change rien, soit naturel. Il y a des gens à cause de manque de papier. Comme tu es là, tu es en train de réfléchir. Au moment tout là, tout là. Non, ne pète pas la foi là. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Souvent, si les problèmes qui nous dérangent pour le temps, on croit comme si Dieu nous a abandonné. Je vais m'enlever de la coopération. Fille, mon rejoint Zemi, pour pas déclarer moi, nous avons basé les Zemi comme à 7 mois. Babengi et Mamoroke, non, à Jui Mukanda. Ce que Mouta Sentaraye, sous l'art. Le rôle est gaz à français. Il n'y a pas seulement l'intention que nous avons récupéré Gadok, si maintenant ça n'est pas Tokabwana. Ce que la 7e mois, c'est Babengi. Oh, madame. C'est toi, oui, tu dois passer à la préfecture, tout. Parce que Zemi a 7 mois pour aller relater. Et quand même, il y a comme au col. Parce qu'on t'a mis à encore. Et là, il y a là, on a dit, na canette, au rendez-vous. Chérie, ma lolie. Tu peux prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Plus tu es pressé, tu peux dépasser ta destinée. Non, je suis calme, je sais. Je vous disais ça. Je sais une chose. Mon rédempteur est vivant. Qui se lèvera les dernières. Je sais, je crois en Dieu. Je suis chrétien, né de nouveau. Je sais toutes choses qu'on croit bien. Mais ce qui est en Dieu, mais ce que je sais en moi, l'éternel a un projet pour moi. C'est un projet de paix et non de malheur. Je n'envie personne. Je suis jamais de personne. Je sais mon temps viendra. Je suis resté dans la prison. Je suis sorti pour servir dans la maison. Il n'y a pas pris ma destinée. Je suis dans la prison avec une destinée grande. Par le voisin, il y a des scènes à son confié au thé. Français, il y a des Français qui ont plein de dettes, mais il y a des sans-papiers qui ont beaucoup d'argent. Il y a des Français qui pensent à fouiller en Afrique parce que le logement là-bas, la plupart surtout, entraînons, entraînons.
il y a entre nous. Tu as dit que tu as dit. Au comité de Jean-Marc Anis, donc il faut que tu ça. Non, je suis en Amboka. Il y aura la raison. Oh, bon, ça, c'est pas notre pays. Hein. Je dois rentrer chez nous. C'est aujourd'hui que tu comprends que c'est pas ton pays. Depuis longtemps, tu étais ici. Non, parce que tu n'es pas sûr de toi. Il est resté en prison. Son problème, l'erreur de Joseph, c'était quoi? Dieu, il savait. Et Joseph lui-même dit, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Joseph avait un rêve. Oubliez que les rêves étaient venus du Seigneur. Il va dire à un homme comme lui, souviens-toi de moi. Vous savez, laissez-moi vous dire, l'homme dans sa nature est toujours un grand. Tu peux le faire du bien, mais le jour où tu ne vas pas le faire, il va te taxer. Joseph, il lui a cet homme, souviens-toi de moi. Et parle pour moi. Il y a la chanson, c'est la bâtiment, le bien pour la yo. Et ça passe. Regarde Joseph, parle au roi, donc parle bien pour moi. Il a dit parle bien pour moi. Mais la Bible dit cet homme, il est parti et oublia Joseph. C'était des relations temporaires. Il y a des relations circonstancielles. Et l'autre, tu le vois humble. Il est humble et circonstanciel. Mais il n'est pas humble parce qu'il n'a pas encore reçu ce qu'il a besoin. Le jour où il aura, et tu verras vraie face. Amen. Aujourd'hui, il est humble et tu verras. L'humilité précède la gloire. Oh, je suis chrétien né de nouveau. Oui. J'ai dit, dans la réunion de maman, il y a des gens aujourd'hui. Tu vois ces gens comme s'ils sont des saints, mais ils ne sont pas saints. Mais c'est le circonstance qui a fait ces gens deviennent des saints. Il est sans papier, il n'a pas le travail. Il n'a pas une maison. Et toute sa vie, il donne son Seigneur dans la prière. Mais le jour où il aura le travail, il va commencer à fuir les cultes. Il va commencer à donner l'explication. J'étais fatigué, tu vois, avec le travail, plein de boulot. Mais avant, il était là, le matin, le soir, disponible. Quand tu dis quelque chose, je suis là. Quand tu dis présent, mais il n'était pas présent parce qu'il aime être présent, mais parce qu'il n'avait rien à faire. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Je m'ennuie à la maison, je dois faire un tour à l'église. Mais à l'église, on ne vient pas parce qu'on s'ennuie, mais on vient parce qu'on croit que tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, on le reçoit par le Seigneur. Je viens à l'église parce que je m'ennuie chez moi. Non, je viens à l'église parce que je sais que j'ai un créateur. Je dois adorer, je dois lui remercier pour tout ce qu'il est en train de faire. Joseph restait dans la prison, mais l'autre est sorti. Il est sorti pour devenir qui? Serveur. Il servait le chi du roi. Il servait le vin du roi. Et c'est ça son travail. Mais Joseph est resté dans la prison. Quelques temps après, le roi, il rêva. Ben notre longue à peuple et comme il paye à Bakonzi. Ben ma camé comme elle a peuple, comme elle a pénane, Mokonzi. Peut-être tu crois que le président François Hollande n'a pas de problème comme toi. Non, il a des problèmes comme toi aussi. Peut-être pire que toi. Le roi s'y a rêvé. Et maintenant, ce monsieur qui servait chez le roi, il a vu le magicien passer, donner l'interprétation. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, le roi a un rêve, mais personne interprète les rêves. Il pense à Joseph. J'étais en prison. Ce monsieur avait interprété pour moi. Je peux dire au roi, roi, il y a un monsieur dans la prison. Il interprète bien. Avant que je sorte, c'est lui qui a interprété ça. Il m'avait dit, et tout ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est arrivé. Le roi dit, bon, appelle Joseph. Et Joseph est venu. Il a interprété. Le roi demandait à Joseph, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais dire à quelqu'un, dans ta vie, tu dois avoir des idées. Amen. Un homme ou une femme qui n'a pas des idées dans sa vie n'ira pas loin. Si tu veux aller loin dans ta vie, tu dois avoir des idées. Interpréter les rêves, c'est bien. Il a interprété les rêves. Et maintenant, le rêve est déjà interprété. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura 7 ans de bonheur et 7 ans de famine. Maintenant, on va faire quoi? Un homme sans projet, c'est un homme qui conduit la voiture sans frein. Même si vous pouvez le voir, un bon chauffeur, mais il va faire un accident total. Pourquoi? Parce que sa voiture n'a pas de frein.
Joseph a interprété, mais il devait avoir encore des propositions, des idées. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, quelles sont les idées que tu as toi? Regarde les idées, vraiment. Nobi, soldo n'est bandi, n'a benza, yo diwana, n'a aucun aoué à 1500, et qui t'y combien? 800, au gagnant combien? 1100. Tu gagnes combien? 1100. Aujourd'hui, son maillot déjà combien? Il y a 800. Et tu gagnes là combien? 300. N'a aucun foutu à combien? Si vous n'avez pas de vos années, folia. Donc la personne qui n'a pas des idées, dans sa tête tu réfléchis qu'elle les habite. 10 ans de Maliens et 10 ans de Congolais, c'est différent. Un Congolais deviendra grand sa père, mais le Malien deviendra chef d'entreprise. Pourquoi? Ils ont des idées. Et tu regardes, il y aura, monsieur, monsieur, oh bah collection Sika. Oui, il y a Oyo avant Migler à Koufa, il y a un autre Tigaki. Ce que tout le monde compte, c'est combien? Découverte, il y a 700 euros. Donc, à ce moment-là, il y a un autre Migler à Tika, mais à ce moment-là, découverte, il y a un autre voisin au Kamoussanga. Tu dois avoir des idées. Je vous dis, si tu n'as pas décidé, le jour où tu auras l'argent et tu n'auras pas quoi faire avec. Et première fois dans ma vie, moi, la première fois j'ai touché 1700 dollars, je n'ai pas dormi. Parce qu'avant, quand je prêchais au Congo, j'avais un projet. Je disais, le jour où j'aurai 1000 dollars, je veux faire quand même une boutique. Je prêche le Seigneur et je vends quand même mes affaires. L'essentiel, je suis à l'aise. Et Dieu a fait que je puisse voir. Je suis parti à l'Angola. Et première fois, je suis allé prêcher à Lunda et je reçus 1700 dollars. Nalalate. Yaya. Les hommes à Kamo et Kosili Sopongi. Donc, j'ai pris 1700. J'ai mis ça sous l'oreiller. Je dormais. Je me suis sursauté. Première chose, ce n'était pas la prière. J'ai regardé là où j'avais caché 1700. J'ai compté, j'ai dit non, c'est 1700. J'ai regardé à gauche, à droite, je me suis senti à l'insécurité. J'ai pris cet argent, j'ai mis dans mes chaussettes. Donc, je suis là que la chaussette à bouton. Moi qui n'ai pas sa chaussette, je suis la chaussette. Au là, tu as ni. Au bon maman, nalali. La sursauté. La première prise, c'était pour Seigneur merci. C'était quoi? Chaussette. J'ai dit non. J'ai raconté 1700. J'ai dit, je ne dors plus. Je commence la veille des prières. C'est-à-dire, je prie en même temps, je veille pour mon argent. Je ne sais pas qui va entrer à cette heure pour me récupérer 1700. Comme je n'avais pas un projet, je suis rentré dans Banjo Loué Bakar. Parce qu'on était à l'eau en place, mon rabbin, mais il faut que j'envoie un carbone à Marthe. On va louer le car. Donc, ok, on loue le car. Aux autres là, un homme dédié, quoi. Avec son kit, à moi, ta sécurité va quitter. Mais ça, il y a yoté. Mais ça, il y a qu'on loue. Dis à ton voisin, non, tu dois avoir un projet dans ta vie. J'ai pris une maison. J'ai pris une maison, tu sais à l'Angola, on paye des maisons 6 mois avant. Donc tu dois payer 6 mois, 6 mois, 6 mois. Et je me suis retrouvé main vide. Ah! Mon là, c'est un atesili. Et je dois faire quoi? Retravailler de nouveau. Alors Dieu, là où il était, dit, regarde-moi cet enfant. Sans projet. Alors j'étais dit, attends, moi, ma stylo na rock. Arrêté, mais sans projet. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que toi tu as un projet? Tu n'as pas un projet toi. Toi tu copies le projet des autres. Et si tu veux voir les gens qui copient le projet des autres, c'est Congolais. Ceux qui m'ont dit cassette, c'était comment? Les Congolais n'ont pas commis la nîmes. Ma cassette. Producteur excellent de nouveaux collections. Producteur selon les cœurs des dieux. C'est-à-dire, chacun. Tu ne peux pas faire des choses en uniforme. Tu dois avoir un projet.
comme les autres font des flats. Tous les Congolais aujourd'hui veulent faire des flats. Je vais acheter un terrain, construire le flat. Qui vous a dit les affaires que c'est, ce sont des flats? Et c'est toi des gens qui achètent des choses qui ne coûtent pas cher chez les Chinois. Il va falloir tu as un salaire à 10 quoi. Mais un homme qui a des projets ne réfléchit pas comme les autres. Le roi dit, tu as interprété, alors comment on va faire? Joseph dit, Dieu va vous visiter 7 ans. Préparez-vous, organisez-vous, vous devez ouvrir des dépôts. Et pendant que Dieu va vous visiter, cachez des choses dans les dépôts. Mais quand la famine viendra, et ce que vous allez cacher, ça va vous servir. Le roi regardait, dit non, toi tu es intelligent. C'est toi qui seras la tête de ça. Oya bimaka, abana kosu pa vino, na boko awa. Mais mouto abimissima, aye koma moukonzi mounene. Na mouto a sopa ba vino, Joseph a komi nani, moukonzi na bango. Dis à ton prochain, tu dois avoir de bonnes idées. Tatouage, bon, nous pas que ça n'est tatouage. Donc, il y a des choses qui n'ont pas des idées, qui sont des petites idées, hein, des choses superficielles, des choses qui nous amènent pas loin. Il y a personne qui peut venir te dire un projet que non, tu dois construire un projet, par exemple, orphelinat. Regarde, il y a des articles, tout. Je lis dans l'ordinateur, article tel, dit ceci, cela. Si tu fais ceci, l'apôtre Achille a eu ses papiers comment? Indéterminé. Il est en Suède, on lui a donné papier de 2 ans. Or, il y avait une loi. La loi disait, par rapport à l'ancienneté, et si tu es encore une femme, tu vas, selon la loi, telle, tu vas à la préfecture, tu demandes, on va te donner la carte en durée indéterminée. Oh, la porte se dit, oh, donc ça existe cette loi. Bon, je n'ai pas besoin d'avocat. Lui-même, il est parti. Il dit, non, je lis, la loi dit ceci. La loi dit ceci, c'est là. Oh, la dame dit, oui, effectivement, oui. C'est pour cela que moi je suis venu pour prendre ma carte indéterminée. La dame dit, bon, ramenez-nous des photos, ramenez-nous. Et il a eu sa carte. Et puis il va commencer à dire à tous les Congolais, mais il y a une loi. Il y aura un Congolais. Oh, ya. Au fond, on l'a vu sauter pendant qu'on est né. Les Congolais n'ont pas décidé. C'est-à-dire, ils attendent l'autre. Face pour eux. Mais Joseph avait des idées. Bien aimé, la Bible dit la parole est là pour nous instruire. Nous indiquer. Tu es là, c'est bien, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais dire aux enfants, je répète ça, tu es né ici, va à l'école. Pourquoi pas devenir magistrat? Demain, on demande l'avocat, ah, on a un problème. Bon, nous avons une avocate qui est avocate de l'église. Mais puis tu as eu le bac, premier projet, je dois travailler au McDonald's. Oh, tu crois que ça, c'est un travail de vie? Et tu travailles au McDonald's, servir les gens, les hamburgers. Oh, je deviens caissière au Carrefour. C'est bien, ça, ce n'est pas un grand travail. Tout le monde peut le faire. Mais tu as le temps, va à l'école. Je sais, c'est difficile. Être patient. Pour arriver dans un niveau. Non, regardez ce que tu veux aujourd'hui parce que tu as fui l'école. Tu n'as pas un diplôme. On ne met à quel niveau? Oh, j'ai Bac+0. Bac+0. Même pas Bac+0. 0, rien bac. Donc, tu es rien. Non. Ici en Europe, il y a des femmes, des vieilles, qui font leur bac. Même s'il va mourir, mais il a besoin d'aller au ciel, dire à Moïse, moi j'ai étudié. Bien aimé, nous avons le temps. C'est bien de dire amen. Mais nous allons où? Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ne sois pas comme la personne qui fait le malewa. Mais sois comme la personne qui fait le restaurant d'hippopotamis. Et là où les gens se serrent lentement et sérément. Nous voulons voir des femmes qui ont des idées. Depuis que je suis à l'église, tu n'es jamais venu avec une idée pour moi, papa. Je vois que si on fait ceci, ça peut nous amener quelque part. Toi, tu contribues à rien. Tu viens seulement sur mon moi, ce qui m'a dit. Frère Jean, tu es sur moi, Nassika. Oh, c'est génial. Donc, toi, tu viens seulement pour féliciter. C'est génial. Mais c'est quoi ta contribution? C'est quoi l'idée que tu portes? Non.
On a besoin des gens qui peuvent dire non, je vois dans notre église, on a un problème d'évangélisation. Est-ce que papa, on ne peut pas faire des tracts, mobiliser les gens, aller dans des cars et distribuer des tracts. Nous avons un problème. La mairie nous attaque ici. On a un problème pour cette salle. Est-ce que papa, on ne peut pas commencer à économiser l'argent? Parce que demain, pourquoi pas qu'on achète au lieu d'avoir tout le temps des problèmes comme ça? Je n'ai jamais vu les idées. Je parlais avec un pasteur au Congo. Il m'a dit que non, il y a des lois ici qui aident les associations. Tel. Allez consulter. Moi, j'ai dit, j'appelais d'autres filles, j'ai dit, allez voir dans vos ordinateurs. Est-ce que cette loi existe? C'est comme ça, tu dois avoir des idées. Dieu te donne, il t'a donné 5 000. Tu vas faire quoi avec ces 5 000? N'est-ce pas, si tu as des idées, tu peux arriver à 50 000. Nous voulons une église de gens instruits, pas une église de vauriens. Une église de problèmes. À quoi qu'elle a jeton. À quoi qu'elle a un amour qu'elle a. Mais je n'ai pas l'air avec ça au dos. Ça, ce n'est pas une église, non? On vient, non. On doit lever des petitesses. On voulait voir grand, non. Tu as laissé des histoires au château où tu ramènes ça ici? Tu as laissé des histoires dans les boîtes de Saint-Denis, tu ramènes ici à l'église. À l'église, viens pour contribuer. Viens pour être instruit. Avoir des idées. Dire non, je comprends. Je dois avoir une idée. Non, moi, mes enfants, ils vont aller loin. Je dois pousser mes enfants d'aller à l'école. Je ferai tout. Acheter quand même des outils qui vont aider mes enfants de savoir comment compter 1 jusqu'à 10. Et c'est ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas des femmes et des hommes qui n'ont pas décidé. Bien aimé, le rêveur du présent, ce sont des riches de demain. Je ne rêve pas comme tout le monde. Je sais que moi, je suis en train d'aller quelque part. J'ai un destin plutôt qui m'attend devant. Je suis destiné pour des grandes choses. Mais ce n'est pas par les paroles, mais par des idées. Dieu a commencé à créer par des idées. Il dit faisons, il a rassemblé. Faisons. Qu'est-ce que tu penses pour toi? C'est bien de féliciter les autres. Et alors pour toi-même, qu'est-ce que tu penses? Je veux voir des hommes et des femmes élevés. Il est encore temps, il n'est pas encore trop tard. Tu peux reprendre la formation. Tu as le temps. Pourquoi pas aller faire la restauration? Tu prends le temps. L'essentiel, tu puisses obtenir quand même le bac. Quand vous me voyez là, je suis en train de voir, je dois commencer le cours de management. Je dois le faire. Parce que l'évangile, c'est management. Je dois manager ce que je suis en train de faire. Mais tu ne veux pas évoluer. Tu veux rester seulement. C'est Denis de Bimisika. Et si on va chez toi, tu passes tout tes temps pour regarder des théâtres. Numéro 1. Numéro 2. Toi, tu connais jusqu'au numéro 25. Mais tu n'as jamais pris le temps de lire la Bible. Entre nous, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui vont en bibliothèque? Il y a des livres où tu vas, tu regardes, tu demandes, et tu vas à la bibliothèque, tu restes là-bas, pour lire quand même un livre, tu réfléchis, une pensée, tout. Tu dis, hé, Rabatana, et Zalaté. Comme tu es là, tu n'as même pas l'adresse email. Sur la tournée de Zimelonine, on a la Bible, on a qui parle, on peut nous attendre. Mais le monde est venu. J'ai parlé à une femme. J'ai dit, maman, je conduis. Envoie-moi ça par texto. Elle m'a dit, hé, papa, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. J'ai dit, mais comment ça? Même des choses simples. Ça peut vous faire rire. Mais ce sont des choses qui peuvent coûter aussi dans la destinée d'une personne. Tu dois avoir des idées. Nos mamans n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, mais ils avaient des idées. Ils ont commencé leur commerce. Qu'on
Moko moko akufa na quartier na biso. Ba kebo akutina ndako ne kifunda mbongo. Mais dommage parce que zakina ba mbongo akala. Non, ya zaka na banka ye mo asala ndako. Bino mona ka teka kopa nguba. Mais asala nini? Banki na abwaka mwanda mnamu. Jo akufa ba panda ndako ani batabwe. Eh, mbongo bele. Mais dommage. Na ba mbongo su ba tika ba lia susite ba changer ye kufela kala ka tandako. Aibi na betende ba kenda na ona bank ba ke no changer mais etika na ndewana. Je voulais dire à quelqu'un, il est temps. Ce qui a fait que Joseph puisse devenir ministre, parce que Joseph avait une idée. L'idée des dépôts. Et c'est quoi ton idée? Tu n'as pas idée, mais tu copies. Si l'autre dit, hey, alors que son banda ou nana kin, yobe maman bandi, n'a donc économisé, n'a son banda ou kin. Oh, mais tu peux aussi dire que non, moi, j'ai une idée d'acheter l'appartement ici en Europe. C'est possible. Est-ce qu'on peut seulement acheter en Afrique? Tu as des enfants ici. Leur vie passe ici. J'achète une maison en Afrique pour bénir Tchekeren. Ils vont me dire, mais papa, tu rêves, toi. Nous, on vit ici. Notre vie ici. Ils ne savent même pas quoi Gambela. Ou Ndjasa Ndomunene. Ma première réflexion, donc ça, j'achète ça pour moi. Mais on doit avoir quand même une grande vision. Chez les Blancs, ils ont des avocats de famille. Ils ont beaucoup de choses, mais chez nous, on n'a pas ça. Parce que nous sommes limités. Mais je crois qu'il est temps. L'avocat qu'on avait pris pour l'église, c'est un Camerounais. J'ai été étonné. Un Camerounais, mais il a son bureau où? Au Champs-Élysées. Je suis entré, j'ai vu ce Camerounais. Mais il a encore une chose qui a vilé. J'ai dit, maître, c'est ton bureau. Dit, oui, ça c'est mon bureau, ça c'est pour les réunions. Ici, c'est... Eh. J'ai dit, maître, c'est de quelle nationalité? Il dit, non, je suis de Cameroun. J'ai dit, eh. Mais pourquoi pas nous? On doit encourager nos enfants. On doit s'encourager. Faire quelque chose. Et Joseph est devenu chef. Parce qu'il avait des idées. Mais tu dois avoir des idées dans ta tête. Si tu as une idée d'aller même en Chine, commencer le commerce, fais-le. Mais il est temps. Ça peut vous faire rire. C'est bien. Parce qu'on n'est pas dans un camp militaire. Mais c'est important. Avant de construire, tu dois calculer les dépenses. Et ça, là, nous avons longtemps à commenter la qui. Non, quand tu as souki dans le salon, pas autant. Babi, à souki, peu me souki. Alors là, que tu as un mon nez. Fallait pas que Abidjan les a commis. À ça, la mort, à bandit bien. Plan P salami. Si on a commis la 4-4 à mire et souki. Parce que, oh, on a fond là, sur la saga, il y a trois pièces dans la chambre, il n'y a coca. Mais il y a ça, château. So, aux alentours, il y a trois pièces, mais au tiers où la projet, il y a château. Je vois ce que vous avez dit, il y a un salon. Encore, comme on est sur ce tonga, comme on a tonga bien. Abi, au moment où il y a un couffre à l'estomac, et ça, donc on est comme ça. Mais ça vous a passé tout ça l'assemblée. Mais tu n'as pas eu le temps de me lancer à l'île. Mais tu as commenté commenter les actes. Vous n'avez pas eu le temps de me lancer à l'île. Mais tu n'as pas eu le temps de me lancer. Est-ce que je vais avoir la main bien? Oh, oui, nous qui sommes ma jeep à mon île. Parce que tu n'as pas eu le temps de me jeep. On habite à combien de chevaux? Ce que il y a aux amants à 10 euros sur la carburant, mais il n'y a pas la jeep, mais il y a quand même l'autoroute. Il y a la Starlet, mais diesel. Il y a 10 euros qui servent au côté de l'autoroute pour s'en aller au Bimi. Mais il y a aussi une jeep pour une agence staffée là, on pouvait battre. Aux hommes, ils pouvaient, au sein du faux calcul. Il y a mis ça français, non, réfléchissez bien. Joseph l'a réfléchi et c'est sur ses réflexions qu'il a fait asseoir et il est devenu le ministre.
nous voulons cette année des femmes et des hommes qui réfléchissent. Même pour ton mariage, tu dois bien réfléchir. Je vous dis, la femme qui avait sauvé Moïse, il n'a pas étudié la médecine. Elle n'a pas fait la médecine, cette femme. Mais cette femme, les jours où Moïse allait mourir, la femme a fait la circoncision de son fils. Elle dit, mon mari ne mourra pas. C'est un mari du sang. Et à cause de cette femme, Moïse a été sauvé. Mais si c'était toi, peut-être allait commencer à pleurer. C'est important. C'est bien de crier amen. C'est bien. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'est-ce que tu appelles la prospérité? La prospérité, c'est quoi? C'est changer de niveau. Tu avais compte 1, demain tu comptes 2. Et je connais une femme qui vendait des braises. Tu connais le Makala? Maman Makala, t'es quand même Makala à la porte en Nago. Mais malembe, malembe, abané kosoma nasani. Il y a des quoi des bassins. Ça n'y va même ni. Ça n'y moi mon nez à la Congo. Bassewa. Et la dame achetait des bassins petit à petit, et la dame économisait, elle a commencé à acheter des sacs, et petit à petit la dame a commencé à acheter des sacs et 3 sacs, et la dame a commencé à acheter 10 sacs. Donc elle va commencer à négocier avec les gens qui venaient du bas Congo pour dire vendez moi des sacs, moi qui vous tombe ça m'a calé la mboka, c'est pas comme il vous tombe pour naïe via mon échange à tes échanger. C'est ce que nous appelons quoi? Prospérité. Mais quand la prospérité sont au comme à 5 000 euros, au talara mikolo biso to fulu kati qui t'a dit qu'on fulu que ça 5 000, qu'on fulu que ça 5 000 et comme à 10 000. Et si n'a joué que 5 000, il est vrai, les travaux que nous sommes en train de faire, c'est très bien, mais c'est pour un temps. Aujourd'hui tu fais femme de ménage, il va arriver un temps tu ne pourras pas encore le faire, parce que ce n'est pas facile. Tu dois voir des projets aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire si demain tu le fais plus? Est-ce que tu auras l'argent? Les acédiques, tu peux commencer les acédiques. Mais quand le compte sera là, le compte va finir et l'acédique va couper, va s'arrêter. Et alors tu vas faire quoi? Répondre. Mais pendant que je suis là, je dois réfléchir. Avant ma retraite, si aujourd'hui j'entre en retraite, je serai qui? Il est temps de réfléchir. Mon frère, ma soeur, maman, papa, réfléchissons. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Avoir des enfants, ce n'est pas ça la fin. Et en dehors de ce que tu vois, il y a d'autres choses qui se cachent. Mais tu dois réfléchir plus loin que ça. Voir loin. Moi, je crois qu'il est temps d'échanger. Nous voulons voir des femmes prospères, des femmes qui vont impacter leur génération, des hommes qui vont impacter cette génération. Et Dieu nous appelle pour impacter. Et aujourd'hui, c'était une réflexion pour Joseph. Joseph a fait des choses merveilleuses. Et d'un certain âge, il n'interprétait pas. Mais quand il a grandi, il est devenu l'interprète. Et ne reste pas les mêmes. Change. Change. Demain, nous voulons voir qui a dit à Kali, entreprise ou en a, il a dit à Kali. Ah, à comment l'entreprise? Oui. Moi, je félicite frère Jean. Frère Jean, faut voir l'entreprise à Zaramukanda. C'est un homme à féliciter. Je suis là, Moutou. À Zaramukanda, mais à combien d'entreprises sans papier? C'est que Moukande, l'année après. Entreprise de Zaramukanda, mais sans papier. Moukande, après, si ma entreprise est jouée sous valeur. Ou comme ce qu'on a aidé dans le la combat, Moutou, comme Yanga Moko. Amen. Il y a un non, ça n'est ni ni. Non, il y a des sans-papiers qui ont décidé aujourd'hui. Ils sont en train d'évoluer, d'avancer loin. Amen. Il y a des gens qui ont leur titre de séjour, mais ils font rien avec. Amen. Oh, mais ah, pour nous passer mon canada, il fallait pas passer un des Oyo. Type moi voyager, même si on voyage, hey, tata, tu as ton salé la moukana. RDC. Pendant que les autres ont besoin de papiers pour faire des projets. Mais toi, tu as eu des papiers pour faire des coins dans Vutuka. Je voulais qu'aujourd'hui, nous prions le Seigneur.
tu pries Dieu et tu dis, Seigneur, je n'ai pas la sagesse, aide-moi. Oriente-moi. Je ne veux pas mourir dans cet état. Mais je sais qu'à moi, tu as mis des choses. Et je ne sais pas exploiter ça, mais aide-moi. Prie le Seigneur bien-aimé. C'est simple, il y a des choses que je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. Je dois demander l'intervention de Dieu. Et moi, je crois que le Seigneur t'aidera. Le Seigneur fera de toi un homme, une femme important. Et quand j'ai étudié sur la vie de Joseph, et j'ai compris que non, il y a des gens même dans la prison, Dieu a un projet pour eux. Mais si eux-mêmes, vous savez, pour que Joseph arrive ministre, ce n'était pas problème de Dieu. Hein? Le problème de Dieu, c'était de le faire sortir de la prison. Mais le problème, c'était le niveau de la réflexion de Joseph aussi. Fois à la baïde, aïbisa roi, salaba dépôt. C'est pas idée Joseph, yamwe tombolaï. Tu peux avoir des idées. Je suis là, la porte est ouverte, l'église est là. Je ne refuse pas les idées. Si tu as une idée qui va nous aider pour que cette église aille loin, viens nous donner. Tu sais organiser beaucoup de choses. Tu connais bien la gestion. Viens me dire, papa, je fais la gestion. Je sais à l'église, si on fait ceci, cela, on peut arriver quelque part. Mais tu n'as pas idée. Yo zela ka soye ko na baki na ye baki to souke la wana. Mais yo ye baki na to souke la. Mais pourquoi avant to souke la oya ki na idée te? Il est temps de réfléchir pour demain. Peut-être tu attendais que je te parle de l'onction des mariages. Mais aujourd'hui, je parle de ta tête. Réfléchis. Réfléchis. Tu as encore le temps. Il n'est pas encore trop tard. Réfléchis pour ton avenir. Réfléchis. Celui sur qui tu suis, lui, il a sa maison. Lui, il a ses papiers. Mais toi, tu n'as pas encore des papiers. Tu n'as pas une maison. Mais je suis content d'avoir le yéné là-bas. Non! Je ne peux pas entrer dans vos délires parce que j'ai un projet. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Les garçons, faites-vous attention, il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas écouter tout le monde. Oh, babago, moutoumaïb singasso, comme une bague plus 5, oh, comme on a risque aujourd'hui, mis ça là. Oh, comme on a risque parce que salaire mieux élevé. Et ça risque de. Mais au combiné d'un salaire élevé, c'est que aux en a risque de place mort aux en a pour ça. Et je crois qu'il est temps que le Seigneur puisse nous aider. Il est temps de prier le Seigneur, de demander à Dieu de nos capacités. Et lèvons-nous, nous voulons prier. Lèvons-nous, nous voulons prier. Lève tes deux mains, nos yeux fermés. Prie le Seigneur. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouvons.